Merci Agnès. Merci aux organisateurs d'avoir, merci à Georges Cognier, d'avoir organisé cette rencontre aujourd'hui, pluridisciplinaire, comme ça a été souligné tout à l'heure par Eric, et sur ce thème de la dépression, qui est un thème clinique, je dirais, omniprésent dans la clinique aujourd'hui, que ce soit de l'enfant, de l'adolescent ou de l'adulte, même si les manifestations cliniques de cette dépression ne sont pas toujours observables immédiatement, même si parfois on a affaire à ce qu'on appelle des dépressions masquées, et pour lesquelles néanmoins nous sommes tous mobilisés pour essayer de venir en aide à ces enfants, à ces adolescents présentant donc ces signes de la dépression. Je vais m'intéresser avec vous dans cette première partie de la deuxième partie de la matinée à la question de la dépression à l'adolescence et plus précisément peut-être au risque que rencontrent les adolescents du fait même de ce qui leur arrive, je dirais, au risque donc de rencontrer un moment transitoire, dépressif, ou au contraire de s'engager de façon plus ferme dans la dépression dite clinique ou pathologique. Je mets l'accent sur cette question du risque parce que il me semble que l'adolescence est précisément une période, un moment du développement de l'enfant devenant pubère qui est particulier concernant justement toute la vulnérabilité, toute la fragilité narcissique. Et c'est à ce titre-là que les adolescents et les adolescentes sont particulièrement exposés à vivre ce que l'on appelle la dépression, que ce soit encore une fois un moment dépressif ou bien un engagement plus prolongé, plus pathologique dans ces éprouvés dépressifs. Alors peut-être rappeler pour commencer que la dépression, c'est un éprouvé normal. Je crois que la petite vignette de Georges là ce matin, la première, nous l'a bien montré. C'est-à-dire que face à un événement, face à des situations inhabituelles qui peuvent générer le sentiment d'une perte, d'une absence, il n'est pas anormal, il est même normal de sentir ce mouvement dépressif, cette dépression, qui ne fait partie, au fond, que des modalités du travail psychique. Je dirais même que c'est une qualité du travail psychique de pouvoir faire face à ces situations de privation, de perte, et qui traduisent donc plutôt un signe de bonne santé psychique. Je pense qu'il faut souligner cet aspect avant d'engager la discussion ou avant d'envisager d'autres modalités qui, elles, sont peut-être plus pathologiques et sur lesquelles il faudra s'arrêter. Mais se déprimer, ça fait partie des mouvements de la vie psychique qui sont nécessaires pour faire face aux changements qui se produisent dans la vie. Éprouver un sentiment de tristesse, de vide, de vacuité
quand on part à la retraite, c'est normal. C'est pas pathologique, c'est normal. Il faut du temps pour se réadapter, pour trouver de nouveaux repères dans son équilibre psychique, pour faire face donc à ces changements, à ces transformations qui se produisent. De même, quand on est malade, on peut éprouver un sentiment comme ça, dépressif, passager. Et là encore, il n'y a rien d'alarmant si cet état reste transitoire. Il n'y a rien d'alarmant si ce sentiment de dépression ne s'installe pas. J'insiste beaucoup là-dessus parce que, justement, parce qu'aujourd'hui, le thème, c'est la dépression, et que la dépression, il faudrait dire plutôt les dépressions ou les différentes formes de dépression, ou parler plutôt du travail de la dépression, c'est-à-dire montrer en quoi la dépression n'est pas l'expression, d'abord, d'un dysfonctionnement. Ça n'est pas l'expression d'une forme pathologique du fonctionnement psychique. Ça peut le devenir si cet état dure, c'est-à-dire qu'il n'est plus transitoire, qu'il s'installe et qu'il commence à attaquer les capacités cognitives, comme on l'a vu tout à l'heure, affectives, émotionnelles, relationnelles, du sujet. Alors, il me semble que c'est important de souligner cet aspect parce que ça met en évidence un élément qui me paraît très important pour comprendre un peu ce qui se passe au moment de l'adolescence. Cet élément, c'est une capacité que nous avons de lier nos investissements libidinaux à des objets, entendons par objet des personnes aussi, bien sûr, surtout, mais aussi de délier ces investissements, c'est-à-dire de les reprendre en quelque sorte, de les déplacer, de les réorienter pour investir d'autres objets. On a cette possibilité de lier, délier et relier. Et c'est une possibilité qui est très précieuse, évidemment, parce que la vie nous offre de nombreuses circonstances où on ne peut pas toujours maintenir le même niveau, la même qualité du lien, la même qualité d'investissement dans ces liens aux objets. Et heureusement qu'on a cette possibilité de reprendre ces investissements, de dénouer ces liens qu'on a patiemment parfois construits avec des objets, et puis de réorienter ces investissements vers d'autres objets. De même, on a cette capacité aussi de reprendre cet investissement aux objets pour se réinvestir narcissiquement. L'investissement narcissique, c'est une forme d'investissement d'objet. C'est le moi qui est investi par le sujet, plus qu'un objet extérieur. Mais cette capacité, elle est très précieuse pour se reconstruire, pour se renforcer quand on est attaqué, pour survivre à la destructivité face à l'objet, destructivité réelle ou imaginée en provenance de l'objet. Donc cette capacité de lier, délier, relier, elle est fondamentale dans notre activité psychique. Elle montre une certaine souplesse d'adaptation à la vie qui est fondamentale. Et lorsque cette souplesse est en difficulté, lorsque, pour des raisons historiques, je dirais, concernant l'histoire de ces relations précoces aux objets primaires, lorsque cette souplesse d'investissement est en panne, lorsqu'il y a une rigidité qui commence à s'établir, une sorte de persévérance à vouloir à tout prix maintenir un investissement alors que cet investissement n'a plus lieu d'être, ou qu'au contraire, il peut être tout à fait contraire aux intérêts du sujet, eh bien, c'est là où on voit apparaître des formes pathologiques de cet investissement, de ce lien aux objets, et qu'on voit alors
la rigidité prendre la place de la souplesse. La rigidité du fonctionnement psychique, dans la répétition, par exemple, est une des formes de la pathologie. Encore que, la pathologie, on peut la voir de différentes façons. On peut la voir directement comme une façon maladive de fonctionner, comme un dysfonctionnement. On peut la voir aussi, et c'est tout à fait intéressant de la voir ainsi, comme une façon ultime à laquelle a recours le sujet pour protéger précisément ce qu'il a de plus cher, ce qu'il a de plus profond. Donc c'est une vision paradoxale que je vous propose de la pathologie, mais peut-être aussi de la dépression. C'est-à-dire qu'il faut justement pouvoir garder une certaine prudence dans l'évaluation, y compris l'évaluation diagnostique, bien sûr, de la dépression, ne pas tomber trop vite à bras raccourcis sur ce qui peut alerter, ce qui peut alarmer, ce qui peut inquiéter. Et pour ça, peut-être qu'il faut aussi être très à l'écoute sur ce que ça nous fait, à nous, les psys, les thérapeutes, ceux qui accompagnent, les psychopédagogues, qui accompagnent les enfants ou les adolescents chez lesquels on peut diagnostiquer de la dépression. Parce qu'il y a une tentation, je dirais thérapeutique, très forte, de supprimer la dépression, de la réduire, de la faire disparaître, parce que la dépression est souvent un signe inquiétant pour soi-même. Hein ? Combien de patients nous disent, quand ils évoquent leur état, nous font part de leur peur de la dépression ? Ne me dites pas que je suis dépressif, hein, comme si c'était l'horreur absolue, et surtout comme si ce n'était pas ce qu'ils étaient en train de vivre. Donc il y a quelque chose d'intéressant dans ce paradoxe de la dépression qui nous alerte sur notre attitude thérapeutique et sur l'écoute importante et prudente que nous devons avoir à la fois du côté des patients mais aussi du côté des effets que provoque sur nous la dépression de ces patients. Et cette tentation thérapeutique, évidemment, elle n'est pas seulement présente avec la dépression, elle est dans presque tous les cas que nous rencontrons, où nous cherchons à réduire, à faire taire ce qui dysfonctionne, parce que nous pensons que la disparition de ce qui dysfonctionne va servir le patient, va servir son bien-être, comme le disait Eric tout à l'heure. Le bien-être, c'est à la mode. C'est la mode et il faut se méfier trop de ce qui est trop à la mode. Alors, au passage, tout à l'heure, on parlait du burn-out. Hein, le burn-out. Alors, c'est un terme qui, moi, me fait penser aussi à d'autres termes qui ne sont pas tout à fait équivalents, mais comme le baby blues. C'est-à-dire, c'est des jolis termes anglais et l'étrangeté, la langue étrangère que l'on utilise dans ces cas-là, adoucit la chose. Le burn-out, c'est moins grave, finalement, que la dépression. Hein ? C'est plus soft. Le baby blues, bon, c'est mignon, le baby blues. Hein ? Alors que la réalité clinique, elle peut être tout à fait sévère, elle peut être tout à fait importante, elle peut traduire quelque chose qu'il faut regarder de plus près. Donc ces termes qui se faufilent dans le langage doivent aussi nous inciter à une certaine prudence, une certaine réflexion, et ne pas accepter comme tel ce qui nous est vendu, parce que ça nous est vendu quelque part. Voilà, quelques petits préalables comme ça. Alors, s'agissant de l'adolescence, je ne vais pas vous raconter dans le menu ce qu'est l'adolescence, bien sûr, parce que vous en savez autant que moi, mais peut-être pointer quelques éléments en rapport avec ce qui nous occupe aujourd'hui, à savoir que
pour nous, un certain nombre d'entre nous en tout cas, cliniciens, psychopathologues, psychanalystes, l'adolescence n'est pas simplement un âge de la vie. C'est pas simplement une période qui irait de la fin de l'enfance ou de la première enfance jusqu'à l'entrée dans l'âge adulte. On ne peut pas nier le fait qu'en effet, c'est un âge intermédiaire. Mais ça n'est pas seulement ça. L'adolescence est avant tout une mise au travail originale qui est exigée par les transformations somatopsychiques qui vont de pair avec l'émergence de la puberté. Il n'y a pas d'adolescence sans puberté. On ne peut pas penser l'adolescence sans cette transformation majeure du corps, unique, inédite, qui ne se reproduira peut-être plus, quoique on peut penser peut-être aussi certains effets de l'âge chez l'homme et chez la femme, comme des résurgences de ces transformations du corps, peut-être pas semblables en tout point à la puberté, bien sûr, une puberté à l'envers pour certains, mais en tout cas qui est porteuse de transformations sûrement. En tout cas, l'adolescence, c'est une période de transformation, une période extrêmement importante qui va nécessiter une énergie extraordinaire pour accompagner psychiquement ces transformations somatiques. C'est ça l'adolescence. C'est ce travail psychique auquel doit faire face l'adolescent ou l'adolescente lorsque surviennent ces transformations pubertaires qui engagent non seulement le corps, mais aussi la vie psychique, les fantasmes, la pensée, les rêveries, vers des horizons nouveaux, pour certains inédits. Inédits au sens où ce que vit l'adolescent, ce que vit l'adolescente, eh bien, l'adolescent ou l'adolescente ne l'a jamais vécu exactement comme ça avant. C'est ce que nous traduisons d'un terme un peu générique, un peu trop global peut-être, mais qui est ce travail de transformation qui est la génitalisation du corps. C'est-à-dire qu'il y a un investissement pulsionnel précis qui s'occupe en quelque sorte de cette nouveauté pubertaire qui amène avec elle bien des transformations qui touchent les caractéristiques sexuelles secondaires. C'est ça la puberté. Et l'adolescent ou l'adolescente doit faire face à ces transformations qui ne sont jamais venues avant et qui ne viendront donc en tant que telles, en tout cas jamais après, mais qui nécessitent pour l'adolescent de reprendre en quelque sorte ce vécu, cette expérience du corps, pour essayer de lui trouver du sens, de lui donner du sens. Parce que on pourrait dire que en tant que tel, l'expérience pubertaire est insensée. Elle est insensée parce qu'elle est trop violente par certains égards. Elle déborde de tous les côtés. Et elle déborde par le biais de l'excitation. Elle déborde aussi, justement aussi, par le biais de l'inhibition, par peut-être aussi des fixations, par ces peurs que vivent souvent les adolescents, les adolescentes, d'être emportés par ces transformations et que c'est ce qui arrive dans leur corps, ils ne puissent plus le contrôler, et ce qui arrive aussi dans leurs pensées. Et il se trouve que la plupart des pathologies que l'on rencontre au moment de l'adolescence sont liées à cette volonté de contrôler l'expérience pubertaire. Winnicott disait « c'est une expérience à vivre, c'est un temps à passer ». Bon, facile à dire, mais c'est vrai aussi, c'est un temps à passer, c'est une expérience. Mais quand on veut essayer de contrôler cette expérience, alors c'est comme si on demandait à mille pattes d'expliquer comment il fait pour marcher. C'est-à-dire qu'on se prend les pieds dans le tapis et puis on se casse la figure. Eh bien, l'adolescent qui contrôle, qui cherche à contrôler son corps, qui veut par exemple arrêter le développement du processus pubertaire, le retarder ou l'inverser, comme on le voit par exemple avec l'anorexie mentale,
eh bien, ce mouvement-là produit ce que nous connaissons, c'est-à-dire souvent d'énormes difficultés dans le développement, d'énormes difficultés dans les relations aux autres et à soi-même. Donc une des causes premières des difficultés que rencontrent les adolescents, c'est cette volonté de contrôler, cette volonté de ne plus être agi par cette puberté. C'est ce que Philippe Jamais aussi a beaucoup développé sur cette idée, au fond, que les adolescents sont portés à l'agir pour lutter contre ce sentiment d'être agi. On a souvent dit que les passages à l'acte fréquents au moment de l'adolescence étaient souvent des identifications à l'agresseur. Peut-être, en effet, ce n'est pas du tout à exclure. Mais ça ne dit rien du processus profond. Le processus qui est engagé, c'est cette action, ce recours à l'action et à l'acte. C'est une façon de se protéger contre ce sentiment d'être agi par quelque chose qu'on ne contrôle pas. Le deuxième mécanisme extrêmement important qu'on rencontre au moment de l'adolescence, c'est cette difficulté à percevoir son corps dans le mouvement du changement lui-même, c'est-à-dire de pouvoir se reconnaître malgré les changements. Il y a beaucoup d'adolescents, d'adolescentes, qui vivent leur corps pubère comme un corps externe, comme un corps étranger. Alors nous, on dirait que c'est un corps étranger interne, mais eux, ils peuvent le vivre comme un corps étranger externe, comme un corps qui les menace de l'extérieur et qu'il faut attaquer, absolument, parce que cette menace, elle est vitale. Et donc, il y a beaucoup de passages à l'acte, auto ou hétéro adressés, qui constituent, au fond, des protections. C'est des réactions de protection contre des sentiments de menaces internes. Et face à ces menaces réelles, mais la plupart du temps imaginées, évidemment, eh bien, l'adolescent a recours à un mécanisme de défense qui est très opérant, qui est très basique, mais qui est très opérant. C'est la projection. C'est-à-dire cet adolescent ou cette adolescente, pour se protéger contre une menace dont l'origine est difficile à situer pour l'adolescent et qu'il n'arrive pas à endiguer, à contrôler, à métaboliser, eh bien, il va projeter sur les objets externes cette réalité de son monde interne qui le déborde. Il va attribuer à l'autre ce qui est en lui, comme dans un mouvement d'identification projective, que moi j'ai appelé la paranoïa ordinaire de l'adolescent. Et donc ce mouvement de projection va lui faire attaquer les objets qui lui semblent le menacer. Mais cette menace, elle est projetée sur ces objets. Alors c'est les parents, hein, ils sont en première ligne, évidemment. Mais c'est aussi les autres. Qu'est-ce que tu as à me regarder comme ça ? Un regard suffit à déclencher cette violence, cette hostilité, dans un mouvement, donc encore une fois, non pas de destructivité de l'objet, mais de protection de son propre narcissisme. Donc ce que ça met en évidence, tout ça, et puis bien d'autres choses que je n'ai pas le temps de vous raconter, parce que le temps passe, eh bien, c'est l'extrême fragilité narcissique qu'occasionne l'entrée en puberté. La fragilité narcissique, c'est la perte des repères habituels. Vous voyez, je prends souvent comme exemple ce joueur ou cette joueuse de tennis adolescente, des petits champions comme ça, qui ne savent plus servir au tennis, parce que l'image du corps a complètement changé. Il faut réapprendre ce geste, pourtant 100 fois répété, parce que la distance entre la balle, la raquette, le bras, tout ça, tout a changé. C'est pour ça qu'à la maison, on les trouve souvent maladroits, qui cassent beaucoup d'objets ou qui se heurtent contre les personnes ou contre les meubles, parce que le rapport à l'espace a changé. Et cette projection de leur propre espace interne sur l'espace externe se traduit très souvent par des chambres très en désordre, disons. C'est-à-dire qu'elles sont à l'image de ce désordre interne que ces adolescents rencontrent et qu'ils ont du mal à canaliser
et à ranger. C'est pour ça qu'il faut toujours aider un adolescent à ranger sa chambre, parce que si on le laisse tout seul face à ce désarroi total, ça ne va pas s'arranger. Donc cette vulnérabilité, cette fragilité narcissique est au cœur de l'adolescence, est au cœur du processus d'adolescence. Et cette fragilité, elle est d'autant plus importante, évidemment, que les bases narcissiques seront fragiles. D'où l'importance, bien sentie par nos collègues cognitivistes qui ne rechignent pas à aller voir du côté du développement ou de l'histoire du sujet, d'où cette nécessité d'aller voir effectivement du côté des prémices de la vie psychique, c'est-à-dire depuis le début de la vie, comment les choses se construisent, comment elles s'organisent pour donner à l'adolescent plus tard une solidité narcissique suffisante pour faire face à ce qui apparaît comme une effraction avec la puberté. Si ces bases narcissiques ne sont pas solides, si les repères identificatoires sont incertains, le sentiment d'identité est incertain, on y reviendra, eh bien, au moment de l'adolescence, la puberté va apparaître comme un tsunami. Ça va apparaître comme une déferlante qui va ruiner les moindres constructions qui auront été élaborées jusque-là. Et là, l'adolescent est en danger, est en grave danger. Il est en grave danger et il aura besoin, et là aussi c'est un axe fort peut-être de la réflexion, il aura besoin de son entourage, il aura besoin de l'environnement pour essayer de trouver les ressources qu'il n'a pas pu construire en lui. Mais lorsque c'est la ruine interne et la défaillance des structures externes, alors là, tout est réuni pour que ce soit la catastrophe. Heureusement, il y a les psys. Les psys sont là comme ultime recours pour faire face au désastre, à condition de penser qu'on peut aider cet adolescent ou cette adolescente avec, d'une façon ou d'une autre, cet entourage familial qui lui-même a été attaqué par les fractions pubertaires. Il n'y a pas d'adolescence individuelle, finalement, c'est des adolescences familiales. C'est-à-dire tout le monde est concerné par l'adolescence d'un de ses enfants. Et quand on a plusieurs enfants dans la famille, l'adolescence, ça dure longtemps. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a une reviviscence chez les adultes, chez les parents, de leur propre vécu adolescent. Et souvent, les demandes d'analyse ou de thérapie à l'âge adulte prennent appui sur une insuffisance de ce travail adolescent. On reprend la question là où on l'a laissée en suspens au moment de l'adolescence. Donc même s'il n'y a pas de psy au moment de l'adolescence, rassurez-vous, il y en a encore après. Il faut juste que les analystes en question ou les thérapeutes aient l'idée que l'adolescence est un processus qui remanie beaucoup l'infantile. Que l'adulte qu'ils ont en face d'eux n'est pas seulement un sujet aux prises avec son infantile. Il est aux prises avec son infantile, relu, remanié, réinterprété par le pubertaire. Bon, si on a ça en tête, on peut comprendre bien des choses. Alors cette vulnérabilité narcissique, acquise, on pourrait dire, au fil de l'histoire du sujet et de ses relations avec l'environnement, va le laisser dépourvu au moment où survient la bise, au moment où la puberté vient effracter, vient frapper à sa porte et effracter cette construction. Et les réactions possibles face à cette menace interne sont de différents ordres. La première, c'est que, au fond, on demande à l'adolescent de faire le deuil des objets de son enfance. C'est ce qui est attendu de l'adolescent. T'es plus un bébé, à ton âge, etc. Bon. On le dit d'autant plus que l'adolescent montre par bien des égards qu'il est encore un bébé, qu'il y a du bébé en lui. Quand il fait -10 dehors, il sort en t-shirt. Bon.
Et il faut le secours d'un environnement protecteur, contenant, pour lui dire, bah, écoute, non, il vaudrait mieux que tu mettes ton pull. Hein. De même, enfin, je vous laisse la liste des exemples infinis que vous rencontrez quotidiennement dans vos familles. Et donc, on lui demande de renoncer, de faire le deuil, de travailler psychiquement sur l'investissement de ces objets d'enfance. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire renoncer à son corps d'enfant. Renoncer à un corps d'enfant, pour un garçon, comme pour une fille, c'est quelque chose qui ne va pas de soi. Renoncer à son corps d'enfant, c'est renoncer aux bénéfices liés au corps d'enfant. Par exemple, chez les garçons, la voix mue. Vous voyez, c'est une mue l'adolescence, c'est une mue généralisée. Mais par petits bouts, comme ça, on trouve des mues. La mue de la voix, par exemple. Eh bien, la mue de la voix chez le garçon est une blessure narcissique. Parce que quand on est soprane dans une chorale, qu'on chante comme un ange, pas comme un castrat, mais comme un ange, eh bien, subitement, ou presque subitement, on est transformé en une espèce de canard, une espèce de, je ne sais quoi, de grenouille ou de crapaud, qui ne sait plus trouver l'octave juste, qui ne sait même plus chanter juste. De même que la voix, elle-même, quand on parle, connaît des hauts et des bas. C'est-à-dire qu'il y a comme une hésitation entre l'infantile et le pubertaire. La voix de lait, la voix d'enfant, et puis la voix génitale. Il y a donc un inconfort majeur. Et donc, comment faire pour renoncer à ce corps d'enfant, renoncer à ces investissements de l'enfance, les objets de l'enfance, les peluches? Vous voyez, ces adolescents qui ont des peluches dans leur chambre, c'est pas en harmonie avec ce qu'ils sont en train de vivre. Où il y a à côté de ça des grandes affiches de leurs héros préférés, plus ou moins dénudés, plus ou moins musclés, enfin, etc. C'est plus des peluches. Donc, cette fragilité narcissique, cette vulnérabilité, les amène en plus à renoncer à des objets qui sont des objets d'étayage, à des objets sur lesquels ils s'appuient. Et souvent, il y a un moment d'hésitation, une hésitation à franchir le pas, à sauter le pas, pour aller du côté du pubertaire. Et la dépression, lorsqu'elle survient, marque la difficulté à opérer ce deuil des objets de l'enfance, à faire le deuil de ce corps d'enfance, à faire le deuil de l'investissement des objets parentaux, comme si, finalement, ces adolescents ne s'y retrouvaient plus. On leur demande de changer, mais il faut qu'en même temps, ils restent les mêmes. Il faut qu'il y ait l'établissement d'une continuité du sentiment d'existence, malgré les discontinuités que leur imposent tous les changements qui s'offrent à eux. Et cette difficulté à gérer, je dirais, la continuité dans la discontinuité ou la discontinuité dans la continuité, eh bien, est l'occasion de beaucoup de mouvements d'humeur en particulier. Alors, pour nuancer le propos, et je ne vous ai pas dit la moitié de ce que je voulais vous dire concernant la dépression, comme d'habitude, nuançons le propos avec l'idée que, inhabituelle chez les cliniciens, mais quand même bien réelle et qu'il ne faut pas mettre de côté, que la puberté est aussi une affaire somatique. Et dans ces transformations somatiques, il y a une réorganisation de l'activité cérébrale qui est très importante, au point de troubler les repères du sommeil. Le sommeil pathologique de l'adolescent n'est pas toujours une réaction dépressive comme on le pense. C'est souvent une mesure d'adaptation à ces transformations de l'activité cérébrale. Les changements d'humeur ne sont pas toujours le signe d'une entrée en dépression. C'est aussi ce qui est rendu nécessaire par la réorganisation profonde de l'activité cérébrale.
Donc il faut aussi, dans l'évaluation diagnostique, faire beaucoup la part des choses et éviter d'installer un processus d'interaction vicieuse. Parce que si on voit quelqu'un dépressif, on va le rendre dépressif. Si on a en tête la dépression, eh bien on va travailler avec ce patient comme un patient déprimé. On va transmettre ce diagnostic aux parents qui eux-mêmes vont changer leur attitude et générer une interaction vicieuse, entre guillemets, avec leur adolescent. Mais dans tous les cas, je pense qu'il est extrêmement important d'agir aussi et de recevoir, d'écouter, d'entendre ce que nous disent les patients de leur dépression. Je vais vous donner un tout petit exemple pour vous montrer la perplexité et le fait que je ne conclue pas sur un point précis, mais je vous laisse un petit peu des points d'interrogation. J'ai un patient que j'ai suivi pendant de nombreuses années, on va l'appeler Loïc, dont la caractéristique principale, c'est qu'il a été déprimé toute sa vie, jusqu'à ses 24 ans qu'il avait quand il est venu me voir. Et après plusieurs semaines de travail avec lui, il s'est avéré que quelque chose qui m'a beaucoup surpris, c'est que quand il était en dépression, il ne se sentait plus sous pression. C'est-à-dire que lorsqu'il était en dépression, il était en quelque sorte à l'abri d'un regard maternel qui le mettait sous pression habituellement, avec une injonction de réussir, de faire des choses qu'il était incapable de faire, et ce qui le mettait donc dans cette dépression. Par contre, une fois qu'il était déprimé, eh bien, il allait pas si mal que ça, finalement. Chose très éprouvante pour un thérapeute de supporter qu'un patient soit bien quand il est déprimé. Hein, c'est embêtant, ça. Bon, on a envie de le sortir de là. Eh bien, lui m'a fait comprendre ça. C'est qu'il y a, comme disait Fédida, quelques bienfaits à la dépression. C'est-à-dire que c'est un moment de travail psychique qui protège le sujet d'un risque bien plus grand que celui de la dépression. Pour finir avec ce patient, lorsqu'il était en dépression, sa mère était maniaque. C'est-à-dire qu'elle s'occupait de tout, elle le prenait en charge complètement, il n'y avait plus rien à faire, c'était un bébé, et elle, c'était une mère omnipotente. Et puis quand il sortait de la dépression, c'est elle qui y entrait. Et il prenait le relais, il faisait tout à sa place. Tout ça pour dire qu'il y a dans la dépression, au moment de l'adolescence, quelque chose qui a un rapport avec la séparation. Avec la séparation des objets premiers, avec la capacité d'intérioriser ces objets, et du coup, de pouvoir négocier la relation à ces objets d'une autre façon que pendant l'enfance. Il n'y a pas de dépression sans difficulté du processus de séparation. Et très souvent, on trouve dans la dépression des signes d'une sorte de fusion dans le fonctionnement psychique avec tel ou tel objet de l'entourage parental, fusion déclarée ou pas d'ailleurs, enfin, visible ou pas, mais qui complique sacrément ce travail de subjectivation. Parce que la dépression, c'est une sorte de déni de perte, d'une certaine façon, c'est une sorte de mise en suspens, disons, du travail autour de la perte, de l'élaboration qui est rendue nécessaire par la perte. Et c'est aussi une façon de se protéger contre la menace qu'occasionnerait cette perte lorsque, justement, les bases narcissiques sont trop fragiles. Pour finir, au niveau des stratégies thérapeutiques, on ne travaille pas avec un adolescent comme avec un enfant ou avec un adulte. Il est nécessaire, quand on a affaire à un adolescent qui va mal, d'abord, de façon tout à fait iconoclaste, de renforcer ses défenses. Au lieu, c'est bizarre pour un thérapeute de renforcer les défenses d'un patient, alors que d'habitude on cherche à analyser ses défenses pour essayer d'aller vers le matériel inconscient. Avec les adolescents qui vont mal, il faut le soigner comme un blessé de guerre. Il faut renforcer ses défenses. Et une fois qu'il a les défenses renforcées, là, on peut travailler autrement. Le but de la thérapie avec les adolescents, c'est pas qu'ils aillent mieux. Bon, peut-être que ça sera censuré dans
le compte-rendu final, Georges, ouais, non, je te fais confiance. Mais ce n'est pas qu'ils aillent mieux. Le but de la thérapie avec les adolescents, même quand ils sont déprimés, j'ai fini, c'est qu'ils s'intéressent à leur fonctionnement psychique. C'est qu'ils aient du plaisir à se penser. C'est juste ça. Le reste, ça suivra son cours. Je vous remercie.